Alright. Toujours Nico Bois ici, présent pour une vidéo de Ghost of Tsushima, que vous allez voir beaucoup, comme j'ai dit, parce que c'est mon nouveau jeu. Et puis ça trouve être très ouf, comme dirait les Français de France. Très hallucinant, très bien fait. J'ai pas grand commentaire négatif à faire à date. Tout est très beau. À part peut-être je pourrais juste dire que le fameux pack ultime que j'ai acheté est un peu décevant parce que te donne un uniforme, te donne un skin, te donne une sorte d'arme, et puis c'est tout, débrouille-toi avec ça. Mais sinon, le reste est très bien fait, très beau. Donc, that's it pour les commentaires de ça. Et on part une mission. On continue nos missions ici. Voyage rapide. On part nos missions. En fait, ça, je trouve ça bizarre qu'il est encore en gold. Je sais pas si ça va tout le temps rester en gold, mais c'est bon. Donc, on part ici, la mission, on continue le récit de Ishikawa, le sensei, qui va nous débloquer, en fait, nos techniques de... d'arc, oui, exactement, les techniques d'arc. Donc, on va continuer ça, parce que c'est pas mal ce qui me manquait dans mon personnage à date. J'ai déjà, comme vous avez vu les autres vidéos, j'ai développé mes techniques d'assassin. Là, vous voyez, si je croise tout le temps des animaux que je pourrais chasser et tout, mais là, présentement, je peux pas rien faire. Et là, si je développe mes techniques d'arc, je pourrais améliorer encore technique d'assassin et je pourrais... Ah, je suis déjà arrivé. Et je pourrais améliorer aussi mes techniques de... Bon, ben, allez, on s'en va direct devant, nous autres, ouais, ok. Il n'y a pas de l'air à avoir d'ennemis, rien. En fait, un peu ce que j'ai compris aussi, quelques des ennemis, vous allez voir, quelques des ennemis, vous allez voir une zone rouge apparaître, un avertissement rouge en zone des Mongols, puis nanana. Donc, vous n'avez pas trop vous inquiéter quand vous approchez un point, puis vous ne savez pas trop si vous allez être attaqué ou pas. Vous allez juste vérifier sur l'écran, vous allez avoir un point rouge qui vous montre, zone occupée par les Mongols. Et là, vous sachez que si vous vous infiltrez, là, vous êtes baisé. Donc, c'est bon. Ici, j'ai parlé une chose. Et là, on me dit, allez parler. Hein? Des fleurs, tiens, merci. On me dit d'aller parler à l'aubergiste. D'accord. Et cet aubergiste-là est où? Je ne sais pas. Peut-être plus loin ici. On va le voir. Ah, il est là-bas, d'accord. Je viens de voir le petit point blanc en haut là-bas. On va aller voir lui, qu'est-ce qu'il a à dire. C'est pas lui. Retrouver l'aubergiste. Ah, ça c'était le marchand. Ah oui, oui, c'est ça, c'est les teintures. D'accord. En fait, les teintures, j'ai débloqué. Malheureusement, je peux pas. Je peux pas rien changer. Et là, j'ai un bandeau. Oh, j'ai un bandeau rouge que je peux acheter. Nice, 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 nice. Un beau bandeau rouge. Ben, je pense qu'on va l'acheter, hein. Voilà. Un beau bandeau rouge. Merci. Donc, ouais, nous, en fait, il faut qu'on trouve. On est parlé au. Mais parler au marchand, mais là je fais juste le tour pour voir parce que ça qui arrive, j'ai beaucoup de choses à looter, à découvrir. Ces témoignages, oui, il y a beaucoup de choses à ramasser en dehors de, oui, des provisions et tout, mais il y a... Ok, ici, et on va ramasser ça. Ah, samouraï. On m'a dit que le samouraï avait du talent, mais les... je ne dirais pas que j'ai attendu, mais... Ok, ok. Il manque un peu de suivi, de direction dans qu'est-ce qu'on a à faire dans l'émission. Mais c'est pas si pire, Odette, c'est pas si pire, on va dire. Ok, donc c'est toujours pas, par exemple, la personne que je voulais débarrer. Bon, oui, le fameux trappeur. Ouais, qu'est-ce qu'il nous dit? Du bambou. Ah, attends.
Peut-être avec lui, je pourrais acheter du fer. Ah non, malheureusement. J'aurais pas acheté du fer, ça aurait été pas pire, hein? Mais non. Ouais, et next, on a quoi ici? On a une étape. Montée, non. 120 mètres, donc je comprends pas trop, mais. Ok, il est dans le village, là, notre personne qu'on cherche. Donc il faut rester dans le village. En retournant dans le. On va rester dans le village. Où est-il? Où est-il? Ah, lui, c'est une nouvelle personne, la madame. Qu'est-ce qu'elle a débloqué, la madame, déjà? Parler. Après tant de combats. Ouais, ça se peut. Tu m'as fait un petit massage, ma grande? Non? Ah, ben chaud. Ouais. Ben, là, ça peut booster mes niveaux. Ça peut être drôle. Ok, ça c'est pour détailler les augmentations de la santé. Source d'autres choses, bon, on va flager là aussi. En fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est en bas là. Ouais, c'est ça. Ok, se reposer. Allons-y. On va faire ça avant de partir. Avant de continuer la mission. Je suis juste curieux de voir si ça peut booster un peu mon niveau de santé. Surtout avant de faire une mission. Ok. Alright, donc. Tenue, c'est gueule en douche. Allez, réflexion. Réflexion sur mon père, mon oncle. Bon, allons-y pour mon père. あの日を忘れることは決してない。俺が子供でなければ、弱く臆病でなければ、父上を守れた。Santé maximale à Kikun, nice. Et voilà. C'est exactement ce que j'avais besoin avant de continuer la mission. なんという変わりよ。Ouais, ça va mieux, merci. Donc un autre point intéressant que j'ai découvert dans la map, une place aussi que je peux booster mon niveau de santé. Ou me remettre en santé carrément. C'est bon ma chérie. Ok, donc je viens de voir mon point ici. Il est marchand qu'il faut que j'aille parler. Parlez avec l'aubergiste. Ok, ça c'est l'aubergiste, mais pourquoi qu'est-ce qu'il pousse? Qu'est-ce qu'il faut juste? Makoto da. Ok, oh. On va monter en haut. Monter en haut pour m'expliquer quelque chose, faire quelque chose, c'est quoi? Ah non, c'est pour aller voir le sensei. Ouais, c'est vrai, le sensei habite en haut. D'accord, on va pouvoir commencer le tutoriel d'arc. Et go. En haut de la falaise. Ok, je continuerai seul. Ouais, je vais profiter pour ditcher mon casque parce que j'ai débloqué un bandeau, on avait dit, hein. Donc, ouais, c'était celle-là. Et voilà.
Nice, 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 nice. J'ai-tu débloqué d'autres masques? Non. C'est bon. Allez, on s'en va voir le sensei. Et voilà, on va faire un peu d'escalade aussi. Ouais, d'accord. On fait un peu d'escalade. Ça risque d'être une vidéo un peu longue, les amis. Parce que je pense qu'il va y avoir plusieurs parties dans le... Il va y avoir plusieurs parties dans cette cascade vidéo, on peut dire comme tu veux. Donc, on va voir, soit qu'on le fasse en plusieurs parties, soit qu'on fasse une grosse partie. Je suis pas trop sûr encore, on verra. Oh, allez, il sort son arbre, il est sauté. Ah ouais, ça a été un beau petit shortcut, c'est bien. Et voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Ça va brosser ça. Ah, ok, il y avait d'autres parties à explorer ici. Inspecter le dojo. Oui, c'est ce que je fais. Ah, ok. Les traces. Pas évident toujours les dans n'importe quel jeu là quand il faut explorer. Hein. Je sais pas sur quoi qu'ils se basent pour trouver SNC. Ben, on va chercher le sensei. Hein? J'ai bien l'impression que le sensei doit quelque part en haut. Dans ces coins-là, ici, non? Ok, ici, y a rien à faire. Allons voir en haut. Et voilà. Trouver Sensei. Qu'est-ce qui se passe? Pas un juste. Il y a un personnage. J'aimais bien son casque, mais là, mon perso avec son bandeau rouge, ça commence à être pas pire. Ça commence à être très pas pire. Comme look de guerrier samouraï pour Nekobois 007. Alors, c'est parti. Oh, Sensei. On va déborder notre arc dans cette mission-là. Bon, ça va être très utile, surtout si je veux faire de la chasse. Bon, ok, récit d'Ishikawa, Sensei. Donc c'est parti. Ça c'était juste toute l'intro, tout ça pour juste l'intro de la mission. Ok, on va voir ce que ça va donner. Pas oublier aussi que côté équipement, il me restait. Un Kento. Un Kento, ce que j'ai. Un Kento amélioré. Mais il manquait du fer, donc je trouve un moyen de looter du fer le plus possible. C'est ce qui est un peu long, j'aurais un commentaire un peu moins positif. Tous ces jeux-là qui ont des améliorations d'équipement, toute la quête, on va ramasser
des supplies, ou je sais pas comment tu dis ça, forcément, des provisions. Oui, c'est toujours un peu long. Oh, et voilà. C'est supposé me ramasser de... C'était supposé... En fait, c'est ça le problème dans le mode de combat que je viens de voir, c'est que... Dans le mode de combat que je viens de voir, un des problèmes, c'est que, en fait, j'attaque trop vite. J'attaque... c'est pas toutes les NPC qu'on est... J'attaque pendant que lui attaque. Du coup, je peux pas vraiment contrer son attaque, c'est lui qui a priorité. Donc... Où j'apprenne à laisser attaquer et faire mon attaque seulement après. On va voir ce que ça va donner. Si je peux m'habituer à ça. Ok, examiner. Here you go. Inspecter le camp. Ici. Examiner. Et voilà. Ouais, j'adore l'histoire du bandeau rouge. C'est cool. Avec mes études d'armes rouges, c'est là. Ok. Tomoe ga yazutsu o shite oku to. Deki kara nogareru tame tsukamatta. Dewa imagoro. On approche, première partie faite. Masaka ojiue mo onaji me ni. Kyoufu wa mou kono buki. Alright, un petit moment de silence, juste parce que j'essayais de lire en même temps qu'est-ce qui était la suite. Donc c'est pas fini. Partez avec Ishikawa Sensei. Et puis... Et je garde toujours mon katana en main prête. On sait jamais ce qui va arriver. Donc, ouais, côté armes à date, ça va. Ça va. En fait, je pensais avoir genre toutes sortes d'armes japonaises, chinoises, quelconques. Mais finalement, on est en classique katana. Avec... Ah, et voilà, c'est là qu'il m'offre. C'est là qu'ils vont m'offrir un arc. C'est bon, on a débloqué notre arc. On va pouvoir faire de la chasse un peu. Très nice, très très nice. Ça va m'aider pas mal. Et voilà, Ishikawa, trouve-moi ce que tu sais t'en servir et je te la prêterai. Ouais, exactement, il veut pas que je l'utilise. Bon, arc court, option. Voyons voir. Ah ouais, j'ai-tu déjà une amélioration possible? Non, hein, c'est ça que je pensais. Ah oui, je peux, mais il faut que j'aille voir la madame. D'accord. C'est quoi ça? Amélioration aussi. Ah, les flèches, d'accord. Je peux améliorer les flèches, c'est bon. C'est bon. Collection, on lui dit quoi, artefact, c'est bon. Alright, on va pouvoir aller améliorer l'arc et flèche. Amélioration disponible en cours, je sais, mais... Ok, visée. C'est quoi? Juste faut que je vise. Okay. Ça.
C'est quoi le problème? C'est un peu pas évident, hein? Fallait tirer plus haut que prévu. Wow. D'accord. Donc technique d'arc, ça sera pas évident. Alors, on va voir ce qu'il nous reste à faire dans cette vidéo avec l'arc. Je suis sûr qu'il n'est pas fini, qu'on va avoir besoin de tirer. Et il go, fort. Ah, oh, c'est ça, on va l'attaquer un fort. Il va nous faire monter en haut, exact. Et voilà. Qu'est-ce que je pensais? Il va falloir attaquer. Il va falloir attaquer. Touk-touk-touk avec l'arc. Un fort. Nice. Right. Sûrement aussi attaquer les gardes en. Ça va mieux, oui. Attaquer les gardes en hauteur. C'est quoi? Ah oui, ok. Ouais, ça c'est des nids d'abeilles qu'il faut que je tire pour... abeilles pour causer des dégâts, nice. D'abeilles, dégâts, ça c'est des affaires à tirer. Étincelles, feu, c'est bon. Ça c'est des choses que je peux tirer pour m'aider. Bon. Il faut les portes ouvertes, détourne l'attention de nos ennemis en les couvrant de flèches. Ensuite, nous lancerons l'assaut et libérons Thor. Bien, maintenant, attendons. C'est bon, donc on passe à l'attaque. À l'attaque d'arc. J'adore ça, va donner. On va voir, peut-être attaquer la patrouille mongole. Je pense qu'on va attendre tant qu'ils passent proche d'eux autres. C'est chaud les amis, hein. Je me fais attaquer toutes les barres et j'ai pas de... Il
Lui. Waouh, waouh, waouh. Alright, il y a comme pas moyen de se mettre à découvrir, à se couvrir, puis tirer à couvrir. On est wide open quand on se fait tirer dessus. Alright, prise 2, on va essayer ça, mission d'arc. En fait, ce que je vais faire, je vais attendre qu'il se rapproche un peu plus. Qu'il se rapproche un peu plus du nid d'abeille. Et puis, ouais, je vais attendre qu'il se rapproche un peu plus du nid d'abeille. Peut-être même des bombes, mais pas sur les lignes d'abeilles. On verra ce que ça va donner. Ok, c'est tout. Parce que c'est fait, ça c'est bon. Next. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est celle-là que j'essayais de viser tout à l'heure, je te crois pas. Ok, bon, on descend. Ok, il faut aller dans le milieu là-bas. Allez attaquer les autres. Ouais, allons-y. Ouais, donc, vous voyez, côté combat, là. Switcher en mode épée, faut croire. Voilà, chef de gang tué, ça va m'aider. Yes sir, clac. J'ai débloqué un autre style de posture. Très hot. Je sais pas ce que ça va donner, mais technique apprise, c'est bon. En fait, je peux pas l'améliorer, mais au moins elle est apprise, c'est bon. Donc, attaque puissante infligée, triangle. C'est bon, on va essayer ça. Wow, calme-toi. Wow, les gars. Tap, c'est violent, man. Wow. Ouais, écoute, je commence à débloquer des... il faut recommencer ça. Je commence à développer des styles de combat corps à corps parce que j'ai comme pas un bel choix de les faire. Ouais, descend, donc. J'ai comme pas un bel choix de faire du corps à corps, puis à date. Donc ça a pas marché rentrer par un bord, donc on va essayer de rentrer par l'autre côté. On va voir ce que ça va donner. En fait, j'aurais aimé ça, être obligé de pouvoir utiliser mon mode assassin, plus que... Oh shit! Oh shit, c'est vrai, lui, il est huge, man. Oh! Thank you.
Qu'est-ce qui se passe? Il est où lui là? Oh shit! Ah! C'est putain de... Ah, j'ai plus d'arc. Ouf! Ça va pas bien, les amis. Et voilà, donc ouais, côté attaque, arc, c'est pas trop hot, c'est pas trop ouf, c'est, ouais, c'est ça, bizarre. Ça fait que c'est fini, c'est un long vidéo, finalement, je pense. En espérant qu'on va avoir un petit break de pause là, inspecter, bon, d'accord. Il faut qu'on continue à inspecter, alors ici on peut looter quoi? Projectile, yeah, there you go, finalement on peut commencer à ramasser les flèches. Ici, y a rien. Ici, les provisions. Inspecter. J'espérais que ça ne fera pas une vidéo d'un an. Je ne sais pas combien de temps qu'on est rendu sur cette vidéo-là, mais une petite vidéo très très longue. Une petite vidéo de technique arc. Même pas évident. Déjà qu'on est mort aussi déjà une couple de fois dans la vidéo. Ça, ça va être pas bien bien. J'avais oublié, les amis, que j'étais difficile. Normalement, je me tape les premières fois que je me tape une mission, j'essaie de rester en mode... Là, j'ai manqué qu'est-ce qu'il voulait que je fasse au juste, mais c'est pas grave, je vais juste en profiter pour aller looter un peu. Ah, il veut que je retourne là-bas, d'accord. On va aller voir avant ici. Et qu'est-ce qu'on peut looter? Est-ce qu'on peut looter? Non. Y'a rien, rien, rien. C'est non plus. Ah, ici, ouais. Examiner. Chambre privée, et qui mène notre femme. Ouais. Il y a des prévisions. Ok. Donc, that's it pour ça. Il n'y a pas rien d'autre à faire là. Allons voir. Oh, prévision, oui, merci. Ouvrir. C'est bon, allez, sors-le de là. On va aller voir l'autre place qu'il y a à attaquer. Examiner. Et là. Ouais, en fait, là, vous me voyez, j'ai commencé à défoncer des portes au lieu de les ouvrir. C'est que. En mode de combat, quand vous faites surprendre par un NPC à l'intérieur, ça se trouve, ça va être plus facile de sortir si vous êtes dans le mode. Avec une porte défoncée, que être obligé de perdre le temps pour prendre la cinématique de la porte qui ouvre. Donc, ouais, défoncer une porte si vous êtes capable, si vous avez le temps. Ah ouais, c'est bon, là, lui s'en va. Ouais. Il se pousse. What the fuck? C'est pas fini, gros. Aller là-bas, d'accord. On retourne là-bas, voyons voir ce que lui a dit. D'accord. Allez, une autre cinématique. Longue mission, très longue mission. C'est tout ce que j'ai à dire à date pour cette vidéo.
Avec le temps, tout ça pour avoir un arc, là. Moi, il me semble que j'aurais fait comme salut, Bolé, ça va? T'as-tu un arc pour moi? Ouais. Ah, ok, merci. Je te le ramène, ok, Bolé. Bye. T'as arrêté ça, ma mission, mais. Non, faut croire que j'avais des habilités à découvrir quelque chose. C'est spécial. Bon, je n'y avais assez. Partons. Ouais, moi aussi. Mais en fait, je me demande si je serai pas mieux de switcher en mode de gameplay. Ishigawa, sensei. Il est calme, mon Ishigawa. Qu'est-ce qu'il fait? Très stylé, mon personnage. Ça vient pour pire. La bande rouge, des études d'armes rouges. Même mon arc est rouge, ça c'est intéressant. Si on peut se faire tout un kit dans mon noir et rouge, ça serait attends ça. Allez, mettons fin à cette mission, les amis. On a pas mal appris ce qu'on avait à apprendre, mon chum. Allez, maître. Sensei. On a quelqu'un qui connaît la différence entre maître et sensei? Master et sensei? Non? Maître, la plupart du temps, est pour décrire. Et pour décrire professeur, je peux appeler ça un professeur, mais maître c'est pour c'est en chinois en fait. Et sensei c'est en japonais, donc sensei c'est un maître, mais japonais. Puis ben maître c'est maître. Soji les gars, hein. Et voilà. Bon, allez, mission terminée. En espérant. Et voilà, récit d'Ishikawa Sensei. Terminé. Nice. Et voilà, gagne un autre point technique. Votre légende grandit. Nice. Le samouraï errant. Santé maximale accrue. Bon, ben, on s'exploite. Ok, les bords des combles. Oh, les techniques. Oh, yes! Et voilà. Nouvelle arme fantôme débloquée. Oui, exactement ça que ça me prend, justement. Ça, c'est des kunai. C'est vraiment hallucinant. Non, tu vas garracher ça partout, puis tout. Puis c'est comme, wow. Hallucinant, je vous le dis. Et un point de technique amélioré. Donc, l'arme cachée. Lance. Ouais, en fait, c'est vraiment ça que je veux. Je vais même pas casser la tête. En fait, c'est vraiment ça que je vais débloquer. Chaîne de concentration, ça y a rien à foutre. Concentration arc, bof. Et puis, chute amortie, j'aimerais ça, mais présentement, pas encore. Donc, Unai, c'est vraiment ça que je veux améliorer. Malgré que je vais en avoir, c'est juste qu'ils ne seront pas améliorés. Ouais, malgré que je vais en avoir, mais ils ne seront pas juste améliorés. C'est pas grave, en fait, c'est vraiment j'améliore ces techniques-là de ninja, c'est ça qui va m'aider. Donc, allez. La roulade, la roulade, la roulade. Chute amortie. Assassinat à la chaîne. Ça aussi, ça peut être utile en salle. Ok, on va y aller avec ça. On va y aller avec ça, parce qu'éventuellement, on va débloquer les assassinats à la chaîne. Ça va être très très bon. Équipement. Ok, arme, et voilà, arme à distance, et voilà, voir amélioration, nice. Ouais, et action rapide, voir amélioration, c'est bon. C'est bon. Provision et les bambous, affiché sur la carte où qu'on peut améliorer. Ah oui, c'est tout, ah non. C'est pas mon même village de tout à l'heure. The fuck, dude? Spécial. Je pense que c'est au même village. Alright, c'est tout pour cette vidéo. Ici Nick au bois qui vous dit ciao bye. À la prochaine.